Bonjour et bienvenue sur l'esprit de Dragon Quest Builders 2. Donc on est arrivé à Ruisune, on commençait à construire les remparts et ouais. On a fait place du trône pour l'instant, la nourriture. Ah Nanatou, vous tombez à point nommé. La dernière bataille nous a tous épuisés. Pourriez-vous nous fabriquer un lit chacun et les placer dans la salle du trône? Comment? Ma salle du trône a déjà été transformée en atelier et maintenant tu souhaites en faire une caserne? Armez-vous de patience, votre majesté. La salle du trône est actuellement le seul lieu où nous pouvons dormir sans craindre une attaque surprise. Très bien, général. Oh, je tâcherai de le supporter en attendant que mes quartiers soient reconstruits. Très bien. Si vous avez besoin de bois pour fabriquer du lit, il y en a beaucoup dans les ruines. Mais en ce qui concerne la fibre végétale, on en trouve sur les fleurs de Givranium. Ne l'embêtez pas. Fabriquez nous six lits et placez-les dans la salle du trône. Silly. Nous avons désormais suffisamment de lits pour pouvoir reposer nos yeux fourbus. Si l'un d'entre nous devait tomber au combat, un peu de repos sur l'un de ses coussins, je lui ferais le plus en bien. Les gardes de Rissine se chargeraient de livrer bataille si vous voulez bien venir en aide aux blessés. D'abord un atelier, ensuite une caserne. Avez-vous aucun respect pour la salle du trône de Sa Majesté? Oh, calme-toi, Jérôme. J'en ai également choqué au départ, mais quel choix avons-nous? Une salle ne va pas nous suffire bien longtemps. Nous devons commencer à attendre nos fortifications. Il va également nous falloir davantage de soldats. Notre cause est juste. Que faut-il donc faire pour y rallier de bons combattants? Comment, si nous avons essayé d'utiliser la cause du bâtisseur? Vous voulez parler de ce vestige? Cela fait une éternité que cette
tissu, je n'en connais pas l'utilité. Voulez-vous dire que cette chose rouillée serait un but de pouvoir magique? Ainsi, d'après vos dires, le son de cette cloche devrait attirer des individus mus par un désir de création. Une riche idée, mais nous devrions d'abord ériger des fortifications alentour. Nous pourrons attirer d'innocentes âmes dans la gueule des monstres. Il serait peut-être sage que vous dessiniez un plan de fortification avant de commencer. La salle de cloche. Il faut donc 127 murs d'enceinte. Ouais, 6 murs d'enceinte et 2 portes en bois. Bigre. S'agirait-il de l'un de ces fameux plans? J'ai entendu de nombreux récits à leur sujet. Cela accélérera sans doute nos affaires. Vous aurez sans nul doute besoin de plus de pans de murs d'enceinte pour éviter l'ensemble des fortifications. N'hésitez pas à casser ces pierres, ce tas de pierres pour en utiliser les morceaux. Ils ne servent plus à rien là où ils se trouvent. De combien de blocs auriez-vous besoin pour terminer le plan 6? Ce qu'il reste de ce mur devrait amplement suffire. Les soldats squelettes, l'endroit n'est pas protégé et l'extraction des pierres devrait prendre un moment. Ce qu'il faut, c'est un autre soldat expérimenté qui assurerait votre protection. Qu'avez-vous tous à me dévisager de la sorte? Athéna est tout à fait capable de protéger sa majesté seule. Joignez-nous à vous, sire. Malrosu et moi accompagnerons Nanatru et assurerons sa protection. Quel impertinence, vous n'osez tout de même pas demander à un vieil homme de risquer sa carcasse pour un hérétique. Vous nous rendriez un grand service, je vous en conjure, Nanatru. Allez, ramassez les morceaux de mur d'enceinte nécessaire à la construction du plan. Deviens plus fort, Nanatru, attends. Ouais. Yaha! Épée large d'acier. Huh?
merci. La salle de cloche. Oh, Nanette, vous avez remis à neuf les remparts protégeant la cloche du bâtisseur, agrandissant ainsi la zone fortifiée. Et c'est grâce à moi, Sir Jérôme, c'est encore se battre. Nous devrions prendre de la graine bande de flippons. Ah, ah. C'est un très bon idée. Nous, si nous continuons à consolider les murs du reste des salles, nous devrions bientôt pouvoir affronter l'ennemi. Et si nous parvenons à retenir au château sa gloire d'antan, qui ses soldats et sujets vont peut-être venir à Westlund. J'ai bien essayé de faire sonner cette cloche auparavant, mais malgré mes efforts, je n'ai pas pu en tirer qu'un bruit sourd. J'ignorais que seul un vrai bâtisseur pouvait la faire fonctionner. Vas-y, Nath, je meurs d'envie de voir ce qui va se produire. La base de Natou vient de se grandir.
Merde, en fait. Yante, qu'est-ce que c'est revigorant? Oui, je me sens rajeuni. C'est incroyable, j'ai pris d'une soudaine envie de toucher à quelque chose. Qui aurait cru cette cloche posséder un tel pouvoir? Des blocs de murs d'enceinte et des carrelages royaux, ainsi que des colonnes classiques. Bien à tout, vous avez pris goût à la vie du château. Ma foi, il semblerait que le son de cette cloche ait attiré l'attention de certains de mes anciens sujets. Dites-moi, bâtisseur Ginoré, quel sort vous avez lancé sur ces pauvres âmes, mais je vous en remercie. Si nous allions accueillir les nouveaux venus, qu'en dites-vous? Le son de cette cloche a empli nos cœurs d'espoir. La gloire de Ruislune sera-t-elle de retour? Je n'en crois pas mes yeux, Xena. C'est bien à toi. Xena fait partie, elle aussi, de la garde de Ruislune. Lorsque les monstres ont pris le château d'assaut, elles ont mené les habitants en lieu sûr. Ruislune semble bien moins austère qu'au jour de mon départ. Et qui est-ce, Martial? Il n'a pas l'air d'un soldat. Là, ouais, j'ai trois soldats. Je te présente un atout, un bâtisseur. Il nous aide à rebâtir le château. Un bâtisseur que Kao nous garde. Le maître de la destruction nous fera payer cet affront. Le monstre nous pourchasse depuis qu'on a pris la fuite, mais Xena nous a toujours protégés. On dira bien que notre vie d'errance est terminée à présent. C'est pas trop tôt, non, déplaise à Kao. Je préfère vivre dans l'enceinte d'un château que périr dans une grotte humide, bâtisseur ou pas. Je vais les équiper. J'ai su dès le moment où je t'ai entendu sonner cette cloche, tu es le bâtisseur qui sauvera Ruislune de son funeste destin. La voie à suivre est claire, il me faut tourner le dos de l'héritier du chaos et devenir un bâtisseur comme toi. Martial, est-ce une plaisanterie? Non, un coup de cloche et voilà sa foi qui s'envole. Je crains que ce soit plutôt le glas qui sonne bientôt pour nous. Cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Si mes soupçons sont fondés, il pourrait y avoir un espion parmi les nouveaux venus. Un trait, une top. Une top débile ou quoi? Ils sont tous humains, hein, ça se voit. Oh, le son de cette cloche a levé les voiles de devant mes yeux. Je ne peux plus suivre les héritiers de Chaos. Bon, vous aussi, votre majesté,
Je vous en conjure, ne prenez pas la décision à la légère. J'ignore si nous pourrions un jour défaire les trous du chaos. Leur nombre surpasse celui des nôtres et de très loin. Mais l'espoir est venu en tant que... Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je dois m'entretenir avec toi, jeune demoiselle. Viens me voir dès que possible. Oui, loyaux sujet, ce n'est pas seulement à Nanat que je m'adresse, mais à tous les citoyens de Brissouni. Cela fait des années que nous combattons la guerre Vax et hors de monstres répugnants. En tant que disciple des héritiers de chaos, il était de notre devoir d'attiser les flammes du conflit. Cette époque est révolue. Si nous parvenons à construire le château, nous pourrons rassembler nos troupes et remporter cette guerre une fois pour tout. Ils sont tous... Ouais, tous des épées en fer, c'est bon. Au moins les combattants. Pour cela, Rissun aura besoin de ton aide, bâtisseur. Telle est ma bombe. Reconstruire le château de Rissun. Ok. Réparer les salles en ruine, fortifier les remparts. Et enfin, ériger à nouveau la porte royale dont nous lancerons l'assaut contre l'ennemi. Si nous souhaitons vaincre ces monstres aguerris, reconstruire Rissun ne suffira pas. Notre forteresse devrait être plus importante que jamais. Donc, en plus de remettre le château en état, on va pouvoir aussi taper sur des noms. Ce programme me plaît. Jusqu'ici, il n'y en a eu que pour la construction. Je vais enfin pouvoir écrabouiller des crânes et briser des os. Martial, mon enfant, tu es le plus fin prêteur de Rissun. Je te charge d'assurer la sécurité de Nanatou. Je compte sur toi pour qu'il ne lui arrive rien. Athéna, tu es ma meilleure stratège, je te confie la direction de la reconstruction des remparts. Qu'elle soit rapide et efficace, faisant, tu liseras au Nanatou. Votre désir sont des ordres de votre majesté, mais je ne peux garder le silence plus longtemps. Il est impossible de renoncer aux préceptes des héritiers. Je ne peux devenir bâtisseur, je vous en conjure, ne me forcez pas à renier ma foi. Oh, oh. Qu'il en soit ainsi, Athéna. Ton obstination est l'une des qualités qui font de toi un excellent général. Loin de moi l'idée de te forcer à mettre à baisser la garde à envers. Entendez-moi bien, mais bon, et ouais, au sujet. Que vous souhaitez la victoire ou la guerre éternelle, la reconstruction du château est impérative. Et à nous tous, nous parviendrons à redonner à Rissun sa gloire d'antan. Hip 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 pour Rissun. De canon orange. Ça. Ça serait bien que je descende. Merci.
à ma jeté, dit vrai, ma loi de cruauté n'a des calques de mon obstination, je ne pourrais pas plus renoncer aux préceptes des hérétiques que désobéir aux ordres divins. Chaque sujet de Rissune doit se plier à son destin, combattre jusqu'à son dernier souffle. Suggérer la fin de la guerre est une hérésie de la pire engeance. Oh là là, ça suffit les discours grandiloquents. Tu sais ce que tu peux en faire de ton engeance. Ah ah ah, malheureuse. Toujours les mots pour rien. Lorsqu'on a pris une décision, mon ami, il est bon de s'y tenir. Je ne renoncerai pas à ma foi, mais je vous aiderai à reconstruire le château, même si ça ne me plaît guère, il le faut bien, afin que le conflit perdure. Avant toute chose, nous devons trouver un moyen d'empêcher l'ennemi d'interrompre nos travaux de reconstruction. J'y ai longuement réfléchi, et ce qu'il nous faut, ce sont quelques chausse-trappes à placer ça et là. Les monstres attaquent toujours par l'est. Il serait donc judicieux de placer les chausse-trappes dans le couloir étroit à l'est de la cloche. 30 devrait faire l'affaire. Et de l'impôt de fer.
poser les pièges de travail. Des choses frappent en infligeant des lourds dégâts aux ennemis avant même qu'ils ne se trouvent face à nos redoutables soldats. Possessons les le plus possible. L'art de la guerre ne se résume pas au combat sur le champ de bataille. Il s'agit aussi d'exploiter les faiblesses de l'adversaire dans ce cas précis, son agressivité. Nos soldats sont plus âgés que la plupart des monstres, mais parsemés de choses rapprochera les envahisseurs de leur perte à chacun de leur pas. Ce royaume est une terre sans merci, ravagée par la guerre. Vous n'avez rien d'un soldat, mais chacun doit utiliser les compétences à sa disposition. Vous n'êtes pas sans savoir que notre priorité est de renforcer nos défenses et d'agrandir notre territoire. C'est pourquoi je souhaiterais que vous construisiez une salle supplémentaire. Notre principale source de nourriture est à la merci des attaques ennemies. Les champs de pommes de terre au sud doivent être sécurisés. Dessinez un plan, je vous en prie, afin de renforcer les murs alentours. Souvent vous donnera suffisamment d'espace pour créer pour entraîner les troupes tout en sécurisant notre source de pommes de terre. Vous aurez besoin de quelques blocs de murs d'enceinte supplémentaires afin de compléter ce plan. Les têtes des pierres que je vous ai indiquées tout à l'heure en or devraient vous en fournir. Jérôme et moi-même, nous ferons une joie de t'accompagner. Concentre-toi sur la collecte de matériaux. Je pense que vous aurez toutefois besoin de plus de blocs que la dernière fois. Si seulement il existait un moyen d'accélérer le processus. Un marteau d'armes. Vous avez l'air très content de vous. Qu'y a-t-il? Intéressant, vous pensez avoir appris à fabriquer. Qui est un marteau d'armes grâce auquel vous pourrez briser la pierre plus rapidement. Il est temps de mettre la terre en pratique. Fabriquez ce marteau d'armes et servez-vous pour récolter tous les blocs de murs d'enceinte nécessaires. Ah.
Qu'est-ce que t'as fabriqué? Ah bah ça c'est du lao, marteau. Je parie qu'il pourrait réduire cet endroit, poussière en moins de 2. Allez, essaye-le, ça va faire mal. Devient plus fort et n'a tout atteint le niveau 1 de l'augmentation.
À la bonne heure, Nat, vous avez fortifié notre champ de pommes de terre et la sol qui l'entoure. Si le reste des réparations se passe de la même manière, nous aurons tout fait pour reprendre le combat. Nanatou, si vous comptez vraiment affronter les héritiers du chaos, il faut que vous sachiez une chose. À dire vrai, depuis peu, un sentiment étrange me taraude. J'ai l'impression qu'un monstre s'est infiltré dans nos rangs. Ou tout du moins un espion. Comme ce traître dont parlait le vieux Jérôme, tu veux dire? Traître, quelqu'un a parlé d'un traître. Je dois avouer que Sir Jérôme a éveillé mon intérêt. Athéna, avez-vous vu ou entendu quelque chose qui confirmerait ces dires? Rien de particulier, non, pardonnez-moi. Nous devrions être en train de fêter notre récent succès et non nous perdre en vile rumeur. Je tiens tout de même à vous dire ceci, Nanatou. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui sur le champ de bataille. Ce sont les faits qui comptent, pas les histoires. Vous êtes bien loin de chez vous, bâtisseur. Ne vous faites confiance à personne, pas même à votre ami du chef. Beau travail, vous êtes parvenu à sécuriser le champ de pommes de terre. Notre périmètre défensif s'est lâché grâce à vous. Nous ne pouvons malheureusement pas demeurer indéfiniment sur la défensive. Non, non. Bon, non. Bon, il nous faut planifier une attaque. Et pour cela, il nous faut une salle d'opération. Toute salle d'opération digne de ce nom nécessite une grande carte étalée sur une table mythique frappée du sceau royal. Une fois que vous aurez placé ces éléments dans une salle de votre choix, posez deux soldats miniatures sur la table et nous serons prêts à parler stratégie. Si vous ne parvenez pas à vous décider, permettez-moi de vous suggérer la salle située près du champ de pommes de terre. Cette taille me paraît idéale. Eh bien, mon bon, cessez de lambiner. Chaque instant sans salle d'opération est un instant pour passer à échouer des stratégies. Voilà.
de miniature. Yep.
pas. Ça ne considère pas comme celle. Elle doit contenir une table mythique sur laquelle est allée une carte. Poser deux soldats dessus et une compagnie. Pourquoi ne pas l'installer près? Il y a juste assez de place, il me semble. Ouais. Tante Nanatou, c'est parfait, quelle belle salle d'opération. Contrange, pourquoi avons-nous besoin d'une salle des opérations? Morbleu évidente pour le prestige Nanatou. Un vieillard tel que moi a besoin d'une salle d'opération. Vous débattre de rien en attendant
des en épétant des points pensifs tout en faisant sans savoir quoi. Puisque nous parlons de débat, dites-moi Nanatou, quelle est la chose la plus terrifiante dans la guerre? La méfiance, la traîtrise, la peur. Que vos compagnons les plus loyaux complotent contre vous. Il n'y a rien que je craigne plus que la traîtrise et les irritimes sont assez fourbes pour avoir placé un espion parmi nous, prêt à nous monter les uns contre les autres. Il rit de nos souffrances, de nos désespoirs. En vérité, les disciples des héritiers du chaos ne sont rien de plus que des misérables mécréants. Voilà. Bien sûr, en tant que disciple des héritiers, je ne faisais que plaisanter. Ô vénérable chaos, ayez pitié de votre humble serviteur. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la suite.